Bonjour, je m'appelle Lydie Bilonge. Pour jetournelebois.com, je vais vous montrer comment je fais un bocal. Voilà, il me faut un morceau de bois de à peu près 210 mm par 120 et j'utilise un bédane, un grain d'orge, une gouge à profiler, la gouge à dégrossir évidemment et des outils pour creuser, minerau thermite. Voilà. Je garde 40 de quoi couper. Voilà. Là, je fais la prise de membrane pour les pour faire le dessus de mon bocal. Il va me falloir 1 cm, 10 mm pour faire mon début de mon couvercle. Là, un petit peu. Ensuite, 5 mm.
Ensuite ici je vais faire la marque pour pouvoir mettre la première fermeture. Et voilà. Là, je descends le diamètre à environ de 3 mm et environ de 83 mm. Voilà. Ensuite, je fais le biais. La forme pour retenir le caoutchouc. Là, c'est l'empreinte pour pouvoir mettre le caoutchouc du bocal. Voilà. Voilà. Ici. Je regarde si ça va, il m'en faut encore largement. Voilà, faut que ce soit à peu près espacé comme ça pour que je puisse mettre après l'autre fermeture ici. Il ne faut pas qu'il y ait trop de jeu ni pas assez. Donc là, il me faut à peu près 100 mm pour avoir la même dimension sur le bocal. Donc, je vais la descendre un petit peu. Voilà. Voilà. Ça, c'est bon. Maintenant, je vais creuser l'intérieur du couvercle pour alléger un petit peu parce que ça fait trop épais. Avoir une surface bien propre.
Alors maintenant, je vais faire le dessus du bocal. Il faut que j'ai le même diamètre ici que le diamètre ici. Alors là, je vais marquer 5 mm pour qu'on ait la même épaisseur ici et ici. C'est un petit peu d'esthétique. C'est pas forcément vital. Là, je refais la deuxième empreinte pour mettre le cerclage. Là, on descend pas beaucoup. On en fait encore un tout petit peu pour que je puisse passer. Toc, voilà, c'est bon comme ça. Ça se met dedans. Donc là, c'est bon, on a notre fermeture qui ne bouge pas. Impeccable. Là, c'est pareil, à peu près 5 mm, c'est comme on veut, et je redescends le diamètre ici, le même que celui qui est à l'intérieur. Sur à peu près 10 mm, ou un petit peu plus, c'est comme on veut. Aussi. Voilà. Je marque mon bord ici. Je vais prendre 10 mm aussi ici. Un peu court pour pouvoir commencer à creuser. Quand on ne va trop vite,